se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Imperium, on lance, ça y est, c'est le début de l'event. Salut les gars. Salut. Salut. Donc pour vous donner une idée, on est tout ça, un magnifique mumble. Yop, yop, allez, démutez-vous, parlez. Bon ben, c'est Dual Escalade 7 sur Minecraft et nous retrouvons sur le son Imperium pour le gros event. C'est le bordel. Oh les mecs ils font de l'écho. Wow, Voyal. Vogel, merci. Okay. Allez, au revoir. Donc voilà, donc on se retrouve avec tout ce beau monde pour l'event. Oui, donc, comme moi, je suis beau. Voilà, merci. Donc voilà, un magnifique spawn, hein, vous me direz. On va move toutes les équipes et on va commencer, hein. Allez, bye. Voilà. Oui, ciao, fait que let's go. Le petit speech de nos grades, en fait, pour vous expliquer les règles. Donc, bienvenue dans la guerre des tribus saison 1. C'est une saison 2, qui sait. Donc, qui réunira 4 équipes de 40 joueurs, soit 10 équipes dans chaque joueur. Le but sera de faire. 4 équipes de 40 joueurs. C'est pas trop prétentieux, hein. C'est un peu chaud, mais bon. Le but sera de. Putain, j'entends un écho. De suer, merci. PNJ adverse qui sera matérialisé avec custom NPC. Le PNJ devra être accessible sans avoir à poser de bloc, être accessible tout simplement. En gros, faut que ce soit au plein milieu de la plaine. Voilà, faut que ça soit protégé quand même. Voilà. Donc ça commence aujourd'hui à 18h, un peu plus tard. Le 24/06/2015 à 18h19. Est-ce que je peux intervenir ? Ça sera donc le samedi. Attends. L'autre semaine. Donc en tout 10 jours. Parce qu'il est midi chez moi. Oh, ah oui. On a des Québec, on a des youtubeurs, c'est génial. Donc, petit récupératif, et il n'y aura pas de diamants sur la map. On ne pourra les acquérir que via des petits events qu'on fera. Il y en aura plus de 4 par jour. Et des PNJ aussi. Et les PNJ qui vous en donneront contre du fer, de la redstone, du lapis, de l'or et un autre truc, j'ai oublié c'était quoi, du charbon. Alors, il y aura 4 phases. La première, ça sera celle de l'organisation. Vous devrez vous organiser chacun de votre côté, élire un chef, etc. Fortifier votre base et collecter toutes les ressources pour pouvoir vivre et gagner les events, on va dire. Et de faire de la stratégie, puisque vous pourrez faire des pactes avec vos autres confréries. Ce qui est assez risqué, mais peut vous apporter beaucoup de choses. Après, se suivra un rush sur le Nether, puisqu'il n'ouvrira que pendant une journée et un temps précis. Après, il y aura des objectifs à réaliser qui vous permettront d'attaquer ensuite les bases. Et pendant les attaques, donc, ça sera les 3 derniers jours plutôt. Et donc, vous ne pourrez poser aucun bloc, hors eau et TNT, entre la muraille et les 5 blocs devant celle-ci. Il faudra être vraiment astucieux pour rentrer dans la base. Et imaginez les défenses aussi. Vous ne pourrez pas poser de blocs, mais vous pourrez casser les blocs de la muraille, évidemment. J'aime ta voix. Une fois entré dans la base, le chef adverse pourrait être accessible sans avoir à casser de blocs, évidemment. Ta voix. Et donc, bonne chance à tous et à toutes. Et que l'event commence. Ok, y'a que des mecs. Okay. J'aime ta voix. Allez, on va tous vous... Non, s'il vous plaît, allez, stop. On move tous et on y en reparle. Bye. C'est ciao. Allez, c'est ciao. C'est chill. C'est chill. Bye. Bon, allez, on lance. Ciao. Bye. Bonjour. Bye. Allez, chacun dans sa confrérie. Je voulais vote, sur. Je suis dans quelle confrérie? Chacun dans votre confrérie. Vas-y, toi, Alex, toi qui es chef, fais-nous un petit peu ton petit speech là. C'est bon, donc. En ce grand jour où j'ai été élu chef de la faction rouge. Oui, bon, vas-y, abrège parce que. Ok. Par contre, chaque question, c'est une conséquence de casse-couille en fait. Je te dis ton speech, moi je fais speech. Olix. Et aujourd'hui sera le premier jour d'une grande victoire contre les autres factions de ce monde d'Erebor. Non, en fait, il n'y a aucun nom, fait que je viens d'en inventer un. Bon, génial, donc deux escouades, un à gauche, un à droite, puis je sais pas c'est qui fout dans les broussailles en arrière, mais c'est quand même drôle. Et c'est moi je me mets là. Attends, okay. Mettez-vous de chaque bord. Séparez-vous en deux de chaque bord avec les amis. Donc moi je vais me mettre avec Brakam, Olix. Puis il faut égal de chaque côté. Je me mets là-bas, alors. Je suis en train de miner aussi, je suis en train de miner. Ouais, je vais aller dans le salon général. Ah, c'est bon, il restart quand même. Ok, restart, c'est good. On va attendre.
Pour le moment, je vais faire un petit peu le tri dans tout ce que j'ai filmé. Ouais, je vais faire une pioche. Je fais quoi, une pioche en fer? Je fais quoi? J'ai qu'à te faire une pioche ou deux épées? Comme tu veux, gros. Ah, du serveur dans 10 secondes. Prenez le plus de cobble possible! La cobble. En mode rage! Ah. Bon, heureux! Voilà, bah. Ça va close. Okay.